Mais pour l'instant, trouvons un cadre de causerie en dehors de cours et tribunaux. Vous savez, les procureurs, les avocats, les magistrats, et c'est l'argent. Tant que tu as des moyens, ils vont te défendre. Mais l'honneur de Christ dans tout ça va où? Je demande pardon aujourd'hui au nom du révérend de l'Église. S'il vous a offensé, moi je demande pardon au nom de l'Église. Parce que j'ai rêvé des visions qui se sont succédées. La première vision, j'ai rêvé le pasteur Walissa. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu me montrait. La deuxième vision, j'ai rêvé le prophète Denilis. Maintenant, je me suis dit, quand j'ai mélangé les choses, j'ai dit, après ces débats et discussions, un vent de mort va souffler. Comme Ézéchiel 3 dit, si tu vois le mal venir, sonne de la trompette, préviens mon peuple. Pasteur Walissa, Église, toute la communauté, devant le peuple païen et le peuple chrétien, ne cédez pas à ceux qui vous poussent d'aller au bout parce que la réputation vaut mieux que de perles. Moi, je demande pardon s'il y a du mal. Je demande pardon à l'évêque et Jibayama Pierre. Impliquez-vous. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est dit dans la société. On commence à nous insulter pas comme possible. Demain ou après-demain, nous n'aurons plus de valeur dans cette nation. Comme les deux genoux appartiennent à Dieu. Pasteur Walissa, cher frère Gédéon, honorable Van, ne cédez pas à l'Internet. Internet est en train de faire des dégâts. L'Église risque de ne plus exister demain. Je les pose à terre. Je vous demande pardon. L'Église est insultée pas comme possible. S'il vous plaît, passez Walissa. S'il vous plaît, Denis Lessi. Arrêtez les émissions. Nous n'aurons pas où prêcher demain si on continue comme ça.